équilibre. J'essaie de nettoyer mon église. Et c'est vraiment important que je fasse le point sur quatre choses pour vous faire réaliser que la vie, c'est pas mal plus que qu'est-ce que vous pensez. OK? Alors, ici, j'ai un jus de pomme. Et ici, j'ai une bière. Alors, je vous offre lequel? Si vous optez pour le jus de pomme, vous optez pour la santé. Vous optez pour l'amour. Vous optez pour quelque chose qui va vous faire sentir vraiment bien. Vous pensez à votre intérieur, vous pensez à votre physique et vous pensez aussi à votre futur. Si vous prenez la bière, vous êtes dans le passé. Vous pensez juste à avoir du fun, mais demain, vous allez le regretter. Parce que vous le savez que vous ne pouvez pas vous arrêter à une bière. Et une bière va entraîner une cigarette ou de la drogue. Ça va amener aussi du drama. De la police. Mais si vous optez quand même pour la bière, même si vous le savez que c'est pas bon, vous allez quand même le prendre parce que c'est rendu une dépendance. Mais dites-vous une chose, c'est la même chose pour le jus de pomme. Ça aussi, c'est une dépendance. Mais c'est une dépendance qui fait du bien. Ceci est qu'un exemple. Mais vous pouvez l'appliquer dans tout. Alors, ça là, la bière, c'est un vieux paradigme que vous avez implanté dès votre naissance. Ça veut pas dire que c'est vous. C'est vous avez pris ça d'un système qui était déjà en place et qui a été implanté dans votre cerveau. Et plus que vous le faites, plus que c'est dur de le briser. Mais l'affaire qu'il faut que vous compreniez, c'est que un coup que vous avez brisé ça et vous avez le choix santé, plus que vous le voyez, plus que vous allez le pratiquer, plus que vous allez devenir accro à la santé et ça va paraître dans votre façon de vous exprimer, dans votre compte en banque, vous allez complètement changer de style de vie. Vous allez devenir plus actif. Vous allez aimer plus de jour en jour. Vous allez vous informer sur des choses que quand vous buviez de la bière, vous n'étiez pas intéressé parce que vous voulez juste avoir du fun. Mais quand vous optez pour la santé, c'est beaucoup plus que ça, là. Vous êtes curieux de vous connaître. Vous voulez savoir comment ça marche. Pourquoi ça arrive? T'sais, vous allez trouver des moyens pour régler vos anciens problèmes. Plus ça arrive. Parce qu'un coup que la roue est partie, mais du bon bord, du bord de la santé, ça va devenir de plus en plus fort. Et la vieille personne
que vous étiez va s'éteindre petit à petit jusqu'à temps qu'elle n'existe plus. Et ça, c'est fantastique parce que quand vous allez grandir dans la santé et la joie et l'abondance, ça va juste vous rapprocher et vous allez grandir dans votre rêve que vous créez. Parce que, ben franchement, si vous optez pour la bière, c'est l'opposé de la santé. Alors, vous allez dans le moins, vous allez dans le négatif. Demandez-vous pourquoi vous arrive ben des anomalies et ben des problèmes. Mais dites-vous, il n'est jamais trop tard. Il y a un début à tout. Il n'y a pas d'âge. Il est toujours temps de faire le switch. Et je le sais que c'est pas facile parce que j'ai passé par là. Mais je suis encore dans les débuts. Mais je sens tellement le bien que ça fait. Et je sens que le vieux moi est en train de mourir. Il reste peut-être que 1% encore du vieux moi. On dirait que le vieux moi, il a mangé plein de points, là, puis il est vraiment knock-out. Là. Mais le nouveau moi, il est plein de vie, plein de force, plein de joie, plein d'amour, et vraiment motivé et déterminé. Parce que je vois mon rêve grandir et je me rapproche et je suis dedans. Je peux plus reculer. C'est fantastique. Et tu commences à croire que la vie est un paradis. C'est ça, prendre le jus de pomme au lieu de la bière. Parce que, bien franchement, j'en ai bu beaucoup de bière. Et pas juste de la bière. Et j'étais pas plus heureux. J'avais juste moins d'argent et plus de problèmes. Mais plus que je consomme des fruits, des légumes, plus que j'ai le goût de vivre, j'ai le goût de bouger, j'ai le goût de créer. Et je m'amuse en faisant ça. Ça devient un style de vie. Joignez-vous à moi. Faites le switch de mauvaise habitude, vieux moi, à nouvelles habitudes, nouveau moi, optez santé, optez votre rêve. Optez pour la création de votre rêve. C'est fantastique. C'est un processus. Faites vos recherches, mais dites-vous une chose, il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'y a pas d'âge. Alors, bière, thumbs down. Jus de pomme, thumbs up. Oh yeah. Chiquiquilé. We'll be right back.
doing the UFO triplet all over Tribe City. Oh yeah. Shiki Kilim time. You better love it or walk away.